Je pense que la Révolution française a été un moment de vérité, un peu comme ce que nous avons vécu au moment de cette pandémie du Covid, et l'on a pu voir, confronté à des événements très graves, avec des évolutions instantanées, avec des basculements totalement imprévisibles, on a pu voir la réaction des uns et des autres. Et l'on a vu aussi se révéler des personnalités. Et celle que nous présentons dans ce spectacle, c'est-à-dire bien sûr Olympe de Gouges et Théroigne de Méricourt, que le public connaît plus ou moins, mais aussi Manon Roland, la première vraie femme politique française d'une certaine manière, et puis Charlotte Corday, héroïne repoussoir selon les uns ou les autres, une sorte de terroriste sublime si l'on peut dire, et puis enfin, pour finir d'une façon un peu plus souriante et légère, cette femme extraordinaire qui a été Thérésia Cabarrus, qu'on appelle Madame Tallien. Ces cinq femmes, en quelque sorte, elles nous donnent une idée de toute la Révolution. Et leur réaction, leur façon de faire face aux événements, de les épouser et de faire aller les choses encore plus loin, tout ça, à mon avis, ça peut avoir valeur d'exemple.